Michel Delpech, qui nous a fait un petit cadeau pendant la pub. Ça va, mon chéri? C'est magnifique. Oui, et toi? Alors, Camille Combat, alors... qu'on annonce partout, sur toutes les chaînes, sur toutes les radios, sur toutes les... Ça va me faire des grosses semaines. Dans tous les films. Hein, voilà, on t'annonce partout. Donc voilà, écoute, on en saura un petit peu plus un jour. Un jour peut-être. Comment on est sur la coiffure, mon chéri? Ouais, là, on est... C'est pas sur une chaîne de rockabilly ou quoi? Le mondial de la coiffure. J'aime bien. Tout le monde va bien? Oui. Alors, on est sur le Kingmaster, ça tombe bien. Ça y est, on y est. Allez, vas-y, mon chéri. T'aimes bien Federer, toi? J'adore, j'aime beaucoup le tennis, ouais. Allez, mais mon père est Nadal et moi je suis plus Federer. Mais tu prends toujours des cons ou pas? J'ai arrêté pour des raisons de niveau. Parce que tu devais me battre. Parce que t'avais un défi, tu devais me battre cette année. Ouais, mais c'est impossible. On attend l'année prochaine? Bref, même deux ans, parce que t'as l'air. Ouais, ça va. Je vais pas à me plaindre. Ouais, calme-toi quand même. Bon, vous voulez démarrer? Oui. Les 24 heures télé, c'est très 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 rapide. Vous allez voir, pas le temps de dire ouf et ce sera fini. Les 24 heures télé, c'est tout ce qu'il fallait pas rater à la télé ces dernières 24 heures. Mais genre, mais hyper vite. Il y a du rythme de dingue. Regarde. Donc a accompagné Pépouze, ses parents, à l'émission de Faustine Bollard. Et en gratos, au détour d'une phrase, il a pu se rendre compte à quel point ses parents l'aiment depuis le premier jour. Vous l'avez eu quel âge, votre fils? Parce que vous êtes toute jeune, hein? Oui, on l'a eu à 17 ans. À 17 ans? Bah, il n'était pas voulu, hein? C'était pas fait exprès. Ça fait bien d'heure. Un ange d'énergie 12 aussi a décidé de déclarer sa flamme par écrit. Mais c'est là qu'on sent que Jaja, c'est pas le diminutif de Jacques Attali, hein. Regardez. En un mot, il y a quatre fautes. Vous allez voir, en un seul mot d'amour. Oh, voilà. Eh oui, bah oui. On s'est aussi procuré leur liste de courses. Hein. C'est pas brillant. Du lait, du poivre, du sel, du jus d'orage et pas pétrolette. Cette journaliste anglaise, regardez là, c'est sérieux. Elle a réalisé l'exploit de l'année. Elle couvrait une course hippique. Il y a un cheval qui a pris la fuite et elle va l'arrêter seule. Ah ouais, c'est un truc de ouf. Bah attends, c'est ouf. Elle est forte là. Incroyable, en Angleterre. Beaucoup de gens me demandent que fait une grande diva comme Benji Castaldi après une presta. Ben, comme tout le monde, il vide la pression en loge, Benjamin. Normal. Ben, de se soulager, c'est normal. C'est énorme. Et non, dans The Island Celebrities, Gwendal Pesra, il s'est lancé dans la construction d'une cabane. Mais personne lui a dit qu'il restait que 15 jours. Pas besoin de chauffage au sol, tout ça. Hein. La grosse pierre, c'est pour préparer la bouffe. On aura une chambre ici, une chambre là, la cuisine là, le salon là-bas. Ça n'a pas l'air immense, mais avec la cuisine, c'est une belle pièce de vie. Et on a reçu l'image d'un père, je voulais vous la montrer, qui commence à apprendre le golf à ses enfants. C'est sympa, dès le jeune âge. Dès la première image, on se dit mauvaise idée du gars, ça peut que mal se terminer, mais pas à ce point. Non. Il a rien, hein. Je montre et qu'il y a rien. Ça pourrait être la fois. Franchement, c'est mon fils. Ça faisait longtemps. Qu'est-ce qu'il a, lui? Regarde. Non, mais il me regarde, on dirait qu'il voit la pyramide de Khéops. Non, la Tour Eiffel, plutôt. Oh. Quoi? Bah merci, c'est bon. Pas de mal. Et je voudrais dire, depuis tout à l'heure, je crois qu'il se passe quelque chose entre vous et Agathe. Elle est en chaleur, c'est la vérité. Elle arrête pas de le toucher. Elle me gratte, elle me touche. Ah ouais. Réclame que je le gratte, elle me gratte dans le dos. Vous voyez réclamer qu'une fille me tripote le dos? Oui, il réclame. Vous êtes en train de changer. Oui, vraiment. Et il transpire du dos. Ne prenez pas vos rêves pour des réalités. Je ne change pas du tout. J'ai toujours les mêmes objectifs. Très bien. Moi, tant qu'il me fout la paix. T'inquiète pas, mamie. T'inquiète. En tout cas, Isabelle. Je viens de vous voir, parce que je ne vous avais pas regardé depuis le début de l'émission, parce que j'avais beaucoup de choses à faire avec les invités. Vous êtes très bien coiffée, très jolie. Vraiment. Ça vous va très bien. La moto-taxi, ça m'arrange des fois. Non, mais je vous jure que c'est vrai. Non, merci. Non, merci. Et je voulais préciser pour les fans et tout ça, Marc est un ami. Voilà. Non, c'est vrai. Marc, vous connaissez... Vous savez comment il s'appelle? Vincent, oui. Vincent. Non, mais Thomas, non. Vous connaissez? Oui, on se connaît. Mais calme-toi, non, il est fou. Attendez. On s'est connus au sport. Au sport? Au sport. Attends-moi ta grande gueule, là.
Quoi, hein? Il a croisé au sport. L'émission va se terminer, on va se parler tous les deux. Quoi, vous êtes reconnus au sport? Oui, on est amis, c'est tout. C'est dans la même salle de sport. Deux artistes qui se connaissent, c'est grave, allô? Mais tu t'en souvenais même pas tout à l'heure. Deux artistes, on s'est rencontrés au sport, enfin voilà. Et vous avez sympathisé, c'est vous qui êtes allé vers lui ou... Oui, je l'ai salué, ouais. Mais salut. Je suis quelqu'un de civilisé, vous savez. Mais quoi, vous êtes en train de me dire que vous êtes arrivé à la salle de sport, vous lui avez fait Marc Lavoine, vous êtes Mathieu Delormeau. Quoi, vous lui avez dit ça? C'est pas, la première phrase n'a pas été ça, si je peux me permettre. C'est quoi? Allez-y. J'aime beaucoup ce que vous faites. Oh. Ah, vous l'avez confondu avec qui? Merci. Ah là, non, là, c'est vrai. Il y a un fond de vérité. Ah, voilà. Excusez-moi. Bah, tu vois, Camille, on savait pas. Ah, bah, je suis content d'en apprendre un petit peu. Bah, attends, c'est vrai. Attends. Très grand photographe. Hein. Très grand photographe. Très grand photographe. Oui, effectivement. Oh, il a payé, c'est bon. Allez. Allez, pas du tout, on m'a pas payé. Ça faisait longtemps, on est parti parler avec des touristes dans Paris. Ça me fait du bien de retourner dans la rue parce que de là d'où je viens, bah, on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. On a essayé d'apprendre aux étrangers à parler le petit Hanouna illustré et de répéter des phrases indispensables à maîtriser pour briller dans les couloirs de C8. Regardez pas. On est donc parti direction la Tour Eiffel. Bon, encore elle. On a la rencontre des dizaines et des dizaines de touristes qui venaient du monde entier. We're from Colombia. South Korea. Germany. California. Korea. Mais bizarrement, que ce soit américain, japonais, argentin, tout le monde parle le vocabulaire assez proche de vous, Cyril. C'est horrible, je suis trop... El Pilago, qui connaît Patao, Ploufou. Jean-Michel Oulès. On va tout casser chez toi. Vous êtes tout d'Echma. Jean-Mi-Tan-Tizizi. Mathieu, retour animé, vous. Fatou, non, je t'aime. Salut papa, c'est Nora. Bien un vrai truc. C'est nous, Frédéric. Mais comment les gens... C'est bien. Patoche, c'est moi. Juste ton cul, t'auras de verrou. Casta, il pète beaucoup. Et you just repeat after me, ok? Ok. J'ai pas un petit sgeg. Mais je parle français. Il était flamand. C'est drôle. Et alors, comme d'hab, je me suis mis yab à la maison, Ice Tea, Petit Wish, Escalope Boursin et replay de téléfoot au calme. Et il y en a un qui a le trac en ce moment avec la Coupe du Monde qui arrive, c'est Christian Jean-Pierre. Il n'arrive même plus à articuler quand il pose une question. On dirait Jean-Mi pendant le débrief de Koh-Lanta. Les histoires de marketing, je trouve qu'il ne faut pas mélanger les choses. Pascal, vous êtes coach Areola ou Bouffon dans les buts de Paris l'année prochaine? Merci, la prochaine. Et puisqu'on parle de foot transition, on a récupéré les images d'un match caritatif pour la très belle association Un Jour Meilleur, avec plein de stars du ballon rond, Sidney Govou, Eric Carrière, Karim Benani. Mais c'est notre momoque, Mokhtar. Regardez ce futur ballon d'or, contrôle orienté, coup du sombrero inversé, et hop, passe décisive et but, tout est vrai. Mais après est arrivée la tuile, très vite. Il s'est blessé. Ouais, Mokhtar s'est blessé. Ah. Et sa blessure a changé beaucoup de choses. On a pu le voir aux 20h de TF1, ça a tout remis en cause. Mokhtar a joué la première demi-heure du match hier de cette finale. Sa situation s'est aggravée. S'il n'avait pas été blessé, vous l'auriez sélectionné? Ah, c'était un candidat sérieux à un poste dans les 23. Il a mieux. Il n'est pas là aujourd'hui, il est... fait des radios. Bien sûr. Bon, puis comme en ce moment, j'ai des rougeurs au bout des gougouttes, j'ai regardé le Mac de la santé. Ça arrive. Ça t'a repris, ça. Ça m'a repris en ce moment. Ouais. Ça va trop loin. Rougeurs au bout des gougouttes. Non, mais tu sais que c'est vrai, ça arrive quand t'as un t-shirt qui est un peu... Au tennis. Ouais. C'est pas toujours agréable. Je sais, c'est vrai. Là, c'est entre pros, quoi. Les Castaldi connaissent. On l'appelait Mister Gougoutte en 86. Gougoutte d'or. Bon, Michel Simès, il a tellement de projets en ce moment, il est de moins en moins présent. Il y a son remplaçant qui fait de son mieux pour remplacer Michel, mais il n'est pas encore hyper à l'aise. Et il tente quand même des vannes, donc c'est juste hyper gênant. Si vous sentez un vent glacial le long de votre colonne vertébrale pendant cet extrait, c'est normal. Cette petite fille et des milliers d'autres. Ouais, c'est remarquable. Un peu plus léger pour la suite. Plus positif. Pas forcément. C'est mort. Bon, tant pis. Premier et le deuxième est pire. De Paul Éluard, la terre est bleue comme une orange. Il n'a pas dit ça, il a dit bleu comme un pan, mais il a mal dit et les gens, ils ont compris orange. Voilà. C'est dur. Notre préféré, c'est l'économiste de CNews, Eric de Rydmaten. Il a encore tenté de faire de l'humour, mais il est plus Nasdaq que Dark, on va pas se mentir. Tout ça, c'est un peu du vent. Qu'est-ce qu'on va dire pour terminer? Que les Italiens attendent la Dolce Vita, eh bien, ils risquent de vivre le divorce à l'italienne.
Merci, Eric. Et BFM est allé interroger des élèves concernant les grèves dans l'éducation nationale. Ils sont tombés sur une enfant qui est très en marche, pas fan des grèves à 6 ans. Elle pourrait déjà être députée d'Indre-et-Loire. Et là, cet élève de primaire aimerait bien que le programme avance plus rapidement. Il y a tout le temps des jours de grève, Tu sais même pas quand je vais travailler. Les profs, ils vont arrêter de faire des grèves. Moi, j'aimerais bien qu'ils arrêtent. Arrêtez les grèves. Moi, j'ai l'impression que je suis plus belle la vie. Hein. Je suis en vacances. Tout est dit. Vous imaginez à l'âge que là ? J'adore. Elle est formidable. Elle est géniale. J'adore. Bon, j'ai regardé les infos aussi, ouais. Le 9h50, 9h50 de France 3, il recevait un invité de ouf, j'ai du mal à m'en remettre. Franchement, des fois, il y a des événements, on s'en remet pas à regarder. Puisque, est-ce qu'ils ont reçu Rihanna, Barack Obama, Meghan et Harry ? Ils sont invités surtout pour nous expliquer comment soigner tout cela. Ensuite, on accueillera une chèvre sur ce plateau. C'est un autre délire. Mais le journaliste de France Info, il avait visiblement très faim ce matin. Prévoyez un petit buffet la prochaine fois, il est en galère. Une victoire pour Wolfsburg et une victoire pour Lyon. Et un petit mot maintenant d'un tiramisu. Un tyrannosaure, voilà. C'est mieux. Julien Benedetto, lui, il a eu un gros moment d'absence au moment de son JT. On l'a entendu dans les retours. Et Juju ? L'image du... Ouais, Juju est là. Trois mineurs ont été placés. Il s'est remis, mais le meilleur, c'est dans le cadre d'une visite officielle. Emmanuel Macron, il a assisté à un discours assez particulier. On se demande quelle idée la personne a voulu transmettre. Le président de la République qui a convié des acteurs à s'exprimer sous les ordres de... Elle s'installe doucement dans la nuit. Attendez. Il nous reste du temps pas. Oui, mais qu'est-ce qu'on a? On peut faire les incrustes, si vous voulez. Ah, les incrustes, ah, j'adore. Oui. On fait les incrustes. Ah, ouais. TF1, M6, France 2, TMC. On m'envoie partout, donc je les fais moi-même. Regardez, c'est les incrustes. On est directement dans les émissions télé pour être sûr de tout surveiller, de rien manquer. Regardez. Oui. Ah, bah, merci, ça fait plaisir. Hi, Meghan. Take you, Harry. Hi, Meghan. Take you, Harry. To be my husband. To be my husband. To have and to hope. To have and to opt. Le verbe régulier. Didier, c'est à vous. Alors, défenseur, Adil Rami, Djibril Sidibé, milieu de terrain, N'Golo Kanté, Blaise Matuidi, Paul Pogba, attaquant, Ousmane Dembélé, Nabil Fekir, Olivier Giroud, Antoine Griezmann. La vie 20 ans après sa mort, trois visages, en salle le 6 juin, marquaient l'entrée en compétition de Jafar Panahi, toujours assigné en résidence. Les autres de Rüsseldorf à Berlin. C'est News, 5h58, bienvenue à tous. Ça fait, c'est tôt, tous les matins. Lundi. Tous les matins, cette heure-ci, là. Votre sentiment, vous qui résidez depuis maintenant de longues années, correspondant évidemment pour l'info de France 2 à Londres, votre sentiment sur le rapport entre la famille royale et Meghan Markle? C'est bien. C'est plus dur à faire. Camille, bravo, mon Camille. Bravo.